Et bonjour internet, bonjour petit canard, ici Kazamania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, moi je l'ai, je vous retrouve avec grand plaisir les amis sur un jeu qui s'appelle Stormworks, jeu en accès anticipé sur Steam pour la somme de 15€ depuis le 28 février 2018. Principe du jeu, vous allez créer vos hélicoptères, avions, bateaux de secours pour aller secourir des gens en pleine mer. Voilà, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre entre création et sauvetage. Alors je vais peut-être un peu fort, on va baisser un double vite fait quand même. Hop, musique, voilà. Ok, donc on va se tester ça. Donc je disais, jeu à 15€ en accès anticipé. Et ça, merde. Oh, oh. Et ça a l'air pas mal. Donc merci à l'éditeur de m'avoir donc fait parvenir une clé pour que je puisse vous en faire une vidéo. Allez, sans plus tarder les amis, on va se tester ce jeu, on va faire une new game. A savoir qu'il y a même un mode multi, je ne savais pas. On est sur la version Steam Early Access 0.1.15. Et vous trouverez bien évidemment en... On va faire un petit seed comme ça, allez hop. En description de vidéo, le lien vers... Bah écoutez, vers le jeu. Donc on a différents modes. Difficulté en normal, le mode carrière ou créative. On va faire le mode carrière. On va mettre le tuto histoire de ne pas faire n'importe quoi et on va se tester ça. Petit chargement. On en profite pour boire un petit coup de café. Et oui, je raconte ma vie. Alors, création du personnage. Alors, comme vous pouvez voir, graphiquement, c'est particulier. Mais vous allez voir que ça se traduit très bien en jeu. Ça se fait très bien. Allez, on se fait un bonhomme rapidement. Un calvitier, est-ce qu'il y a ça? Toujours pas. Racisme, anti-calvitie, c'est pas beau ça. On dirait Fillon, mon bonhomme. On va lui mettre une moustache. Moi, j'aime bien une petite moustache comme ça, voilà. Oh non, quoique même... même la petite... J'ai l'impression de jouer à Albion Online, à vrai dire. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau. Il est parfait, il est excellent. C'est parti. Bienvenue à Stormworks. Ok. Donc, je suis dans la peau de mon personnage. C'est bien fait, comme j'aime. J'ai ramassé un bout de merde. Votre bateau est... Ah, c'est une bouteille vide. Ok, d'accord. Que je peux déplacer et foutre par terre. Ok. Votre bateau a été cassé lors d'une tempête. Tu dois utiliser le workbench pour le réparer. Ok. Donc le workbench, qui est donc l'atelier, si vous voulez. Donc on va aller se trouver l'atelier qui a l'air d'être en dessous de moi, à 31 mètres en dessous. Donc on va y aller. On va prendre le petit chemin. Alors je sais pas si les mondes sont générés aléatoirement. Là on est sur le tuto donc j'imagine que non hein. C'est un truc préfait, préconstruit. Mais je pense qu'après durant l'émission on a peut-être quelque chose un petit peu changeant. Ah ok, donc ça c'est mon véhicule éditeur. Je vais pouvoir éditer mon bateau. Voilà, ok. Donc avec la caméra je peux changer mes trucs, très bien. Je peux zoomer, dézoomer, super. Donc là, tuto, très bien. Ensuite, caméra bouton, tout à fait. Je peux reset, très bien. Alors, je peux maintenant placer un bloc. Alors, effectivement, j'ai un endroit qui est vide. On va placer un bloc ici. On va continuer la création. Et je peux drag, ok. Laisser appuyer et drag pour faire un bloc. J'ai des blocs. Voilà, comme ça. Qui veut que je mette partout? Attends. Hop, comme ça. Allez, à l'aise! Voilà, ensuite j'ai un bloc pyramide que je vais mettre... Oh là là, oh là, oh là. Ouais, attends, ça devient compliqué là, ça devient ingénieur. Voilà, comme ça. Allez, logique bouton pour aller dans le connecteur de logique. Alors c'est... Ouf, ok, d'accord. Je comprends. Ah, ça, j'avais pas vu le jeu sous cet angle, c'est-à-dire qu'on a tout un côté où on va pouvoir gérer les différentes... item, on va dire, vital de votre bateau, là. Alors, le toggle bouton que je dois connecter au moteur. Ok. Maintenant, l'axe numéro 2 qui se trouve être ici, que je dois connecter au throttle engine. Et bon, connecter. Ensuite, l'axe 1. Ouais, c'est le bordel. Que je dois mettre au truc de rotation. Ok.
1 et 2. D'accord? Et ensuite, le power. Vers le bateau. Enfin, vers le moteur. Enfin, le moteur de devant vers le power de. Ok, ok. Je sauvegarde mon bateau. Comme ceci, je l'appelle bateau. Il est save. Il est ready to go. Je peux le spawn. Ok, voilà. J'ai une nouvelle mission. Appuie sur N pour voir la gueule de tes missions. Qu'est-ce que je dois faire? Ramener des. Du matériel médical. Et bien, on va faire ça. On va l'activer. C'est parti. Allons-y. J'ai eu un message qui me dit bienvenue à Stormwork. Merci, ma poule. Allons-y. Donc, je prends mon boat. Ah, il faut dire que je prenne mes trucs médicaux. Ok, je pique. Ah, ok. Je mets dans le bateau. Genre comme ça. Merde. Reviens. Ah oui. Alors, la physique du jeu a l'air d'être assez bien branlée. En tout cas. Oh, on le sent. Je suis tellement lourd que je fais couler mon bateau. Allez. C'est dedans. C'est dedans. Je remonte dans mon bateau. Ouais, ça a l'air d'être bien branlé. Voilà. J'ai le medical supply. Je m'assois sur le truc. Ok, on va plutôt se mettre sous cette forme, très bien. Alors, comment je démarre mon bordel? Parce que là, je peux avancer, reculer. Alors, à mon avis, il y a un bouton. Bien. Qui me permet... Ah... Ok, d'accord, faut l'allumer. Putain, c'est vachement bien branlé ce truc. Ouh là. Je me suis cogné. Alors, on va faire gaffe quand même. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, je suis quand même en slibar là. Hein. Je suis quand même en slibar, hein, faut le dire. Regardez. Je suis en slibar avec ma grosse poustache. Bon, là, j'ai l'impression que maintenant, c'est le son du jeu qui est pas assez fort. Donc, je m'enflamme. Mais on va remettre un petit peu du zikmu. Hop. On y retourne. Alors, on va aller sur la première île. Déposer notre bardal. Est-ce que je peux faire un coup de boost? J'ai pas l'impression. À l'hôpital. Ok. Est-ce qu'on a une map? On a une map. Oh, ok. Et une banque aussi. D'accord. J'imagine qu'on peut acheter des blocs ou je sais pas quoi pour améliorer ses équipements. C'est de l'autre côté de l'île. C'est de l'autre côté de l'île. Alors on va essayer de se poser à un endroit intelligent, un endroit malin. Est-ce qu'on a un contrôle de fuel? J'ai pas l'impression qu'on ait besoin de fuel. Peut-être une essence illimitée. Hop, on va se poser là. Ah, c'est super bien fait la physique du jeu. Alors, vous ne vous rendrez sûrement pas compte au travers d'une vidéo, mais moi au toucher, au gameplay là, c'est, on voit que dans l'eau, bah, on est lourd quoi. Hein. Puis avec la vitesse et tout. Allez, doucement. Par là, à gauche. On va se mettre là, on est bien là. On va couper le moteur. Sinon, c'est à cause que le bateau il se barre tout sans moi. Voilà. Ok. Je prends ça. On peut passer en mode troisième personne. On va rester en première. Hop là. Allez, on se ponton. On va ramener le truc médical à l'hôpital. Alors, en multi, ça va être rigolo aussi, comme bordel. Sur madame. Devant, derrière, gauche, à droite. Ouais, ça m'a l'air beaucoup plus simple de le déposer ici, effectivement. Hop! Allez! Bien joué, mec. Tu as fait la mission du tutoriel. J'ai gagné 1200$. J'ai gagné un blueprint, c'est-à-dire un schéma de construction. On va retourner à la maison. Sur cette partie du tuto. Qui nous permet de voir très rapidement comment on construit, comment on conduit, etc. Alors, j'ai un peu des doutes, par contre, je vais vous le dire, c'est sur l'optimisation du jeu. J'ai l'impression qu'il y a sur certaines phases, notamment quand on court ou qu'on s'approche de certains murs, des petits drops de frame, des petits ralentissements qui se font ressentir. J'imagine que l'univers doit gérer des milliers et des milliers de petits voxels. Et ça doit être ça qui fait que il y a peut-être une fuite de performance
qui serait à revoir sur le jeu. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Retournons à la base. Notre belle île. Elle est chouette, ma base, quand on la voit d'ici. Regardez un peu là. Ça manque de barbecue et de jeunes filles qui dansent sur de la musique hawaïenne. Mais dans l'idée, c'est pas mal. En tout cas, la mer est bien calme là. Je pense que durant les différentes missions, on va pouvoir faire face à des imprévus climatiques assez costauds. Je rappelle que le jeu s'appelle Stormwork. Et Storm, c'est tempête. Allez, on coupe le moteur et on se barre d'ici. On retourne à la maison. On monte là l'échelle et je pense que nous allons conclure le tuto de manière bien évidemment brillante. Hop! Ah oui, puis j'ai une espèce de station radio, ouais. Ah, ça fait vraiment le mec. Le gardien du coin. Allez, go to sleep. On va dans le lit et on dort. Ok, nous vous avez fait le tutoriel, bien joué. Appuie sur te lever pour commencer tes missions. Alors, mission available, comme on dit. Il faut évacuer une station de pompage d'essence, d'huile, comment on dit en anglais, de pétrole, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Donc on va aller faire ça, cette mission-là, on va prendre notre petit bateau qui est déjà construit, du coup, et on va aller récupérer les gens. Alors, faut faire pop le bateau, il est déjà là, c'est parfait. On va faire évacuer, on a 19 minutes, comme vous avez pu le voir. Donc c'est hop, on toggle le bouton, et on part dans l'autre sens. Alors là c'est l'hôpital pour ramener les gens j'imagine, et la station elle est ici, si j'appuie sur map, elle est par là, perdue en pleine mer, donc on va y aller. Et il y a de la banque aussi. Ah c'est, non, c'est une île à vendre pour 10 000 $, ouais, pour le moment on n'en est pas là. Allons donc sauver ces pauvres gens, travailleurs engagés par les sociétés capitalistes. Allons les chercher, nous sommes à 2 100 km. On va garder le cap. Je sais pas trop s'il y a d'autres bateaux qui sont susceptibles de traverser la carte, d'être dans le coin. Alors, vous voyez que là, le fond de la mer devient de plus en plus loin. Hein. On s'éloigne des côtes. Et du coup, le fond marin est plus grand. En tout cas, on sent bien ce côté gigantisme de la mer qui m'a toujours un peu fait peur. Je sais pas vous, mais j'ai toujours eu un peu peur, moi. De la mer, le côté où tu tombes, imagine là, tu tombes dans l'eau au milieu de rien. C'est un peu l'angoisse quand même, même pas qu'un peu, un peu beaucoup. Alors on arrive à 1 400 km, on voit les fonds marins sous nous. On a une autre mission qui vient de pop qui s'appelle Brinkfield Container Delivery. Il faut faire une livraison de containers, bah, ça on verra après. C'est pas pressant, on a 2 heures pour la faire. Et donc sans ma truc, j'ai... Ah oui, je peux ramener 2 personnes et une caisse. Non, c'est pas ça? Ou c'est les récompenses? Ça a l'air d'être là. Oui, c'est les récompenses, ok. Allez, on arrive à 600 mètres. Ah si, un petit bateau là, regardez. Non, c'est un bateau, c'est quoi? C'est une balise? Ah, c'est des bateaux, ça. Ou des balises? Ah, c'est peut-être plutôt des balises, effectivement. Alors on arrive au rig et on va ramasser le worker qui a l'air qui a sauté dans l'eau du coup, car la plateforme est en feu. On va éviter de lui couper la tête avec mes hélices. Alors où est-ce qu'il est? Il est là. Alors comment on fait? Je lui roule dessus ou il monte? Faut que je le chope avec mes petits bras? Alors on va essayer de lui rouler dessus. Oulala. Non, ce n'est pas la bonne tactique. Oh là là, arrête de bouger, arrête de bouger.
essayer de le choper. Allez, follow me. Pick up. Viens, bonhomme, on y va. C'est là que ça se passe. Viens avec moi. Allez. Allez, je l'ai. On le ramène à l'hôpital. T'inquiète pas, mec, Johnny. Accroche-toi bien, Johnny. Je te ramène à la base, à la maison, à l'hôpital. Alors, le mec, il a pas le mal de mer. Vous m'en remarquerez. Comment ça se fait que je suis tout nu comme ça? C'est pas possible. Et surtout, il a l'air assez décontracté pour un type qui a besoin de d'aide urgente. Ah, il y a un petit paquebot là-bas, regardez. Il a pas l'air petit, du coup. On va ramener notre copain, là. Et ensuite, on ira accepter la deuxième quête. Et j'aimerais bien passer à côté d'un paquebot. Ouais, ça a l'air classe. Il est bien, là, Johnny. Il sait qu'il est sauvé, il se détend. Nos stress. Alors, j'ai 16 200 balles. Ok. Donc, j'imagine que ça me permettra... Ah, j'ai débloqué, du coup, ouais, la petite map. Ça me permettra d'acheter notamment des items pour faire une construction de bateau. J'aimerais bien tester ça aussi. Il est en train de glisser un peu, là, non? Il était à plein milieu du bateau, il est en train de glisser vers le fond, du moins qu'il tombe pas dans l'eau. Ça me va. Allez, Johnny, accroche-toi, on est à 1,7 km. Il en fait quand même un putain de bruit de tondeuse. On peut voir en dessous. C'est classe. Ah oui, puis je pense que... Vous voyez, on voit mes trucs qui bougent quand je tourne à gauche à droite là. Je sais pas comment ça s'appelle ça des... C'est un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. L'espèce de petites ailes qui vous permettent de tourner. Les gouvernails, voilà, le gouvernail, c'est ça. Alors, encore une autre mission avec... Il y a un tugboat, un bateau qui est en train de couler. Un fisherman, un pêcheur. Ça se tente aussi. Je préférais perso aller chercher le pêcheur qui coule que d'aller faire une livraison de... De caisses de bois là, rien à foutre. On va dire ramener celui-là à la mer, à l'hôpital, et on ira chercher le pêcheur qui est en train de die. Parce que nous on est le bon samaritain. Je suis le bon samaritain du coin. 3,4 km quand même hein. Et vu que je me traîne un peu le fion avec mon. La merde là. Mais bon. Et là on va jouer en pleine nuit, j'ai l'impression. On arrive, Johnny. Accroche-toi, ça va cogner. Allez, un boy. Tu me suis? C'est bien. Attends. C'est par là. Ah, c'est pas par là. Merde. Ah, tu déconnes. Ah, putain. Ah ouais, non, faut monter sur le bateau et ensuite sauter sur le ponton. Bah ouais, mais non, alors. Vu que t'es un PNJ et que t'es sûrement assez con, je suis pas convaincu que t'y arrives. Merde. Ah, je peux le pick up. Ah ouais, je l'ai sur mon épaule là en gros. Regardez. Ah oui, regardez, regardez. Alors. 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 Eh ouais, t'inquiète pas, on va y arriver, Johnny. Huh. Allez, viens. Enfin, viens. Non, viens pas. Je te tiens. C'est peut-être plus facile en troisième personne, je trouve. Je t'amène à l'hosto. Par contre, je vois plus où est le chemin. Je suis perdu. Bonjour madame de l'hôpital, je vous ramène un Johnny inconscient. Bonjour monsieur. Hop. On le dépose là. Allez, mission complete. Et j'ai débloqué pas mal de trucs, dont un blueprint d'Altibet. On va chercher le pêcheur. On va aller chercher le pêcheur et après on ira se coucher. Et ensuite on essaiera. Hop. Oh putain, j'ai fait de plus en plus balèze. Je saute direct dans mon bateau. Alors, le survivant en 3,6 km, c'est parti. Alors, vous voyez une belle lune, les amis, qui est en train de se lever en face de nous. Je sais pas trop comment marche le cycle jour-nuit, si... C'est assez rapide, j'ai l'impression. Tant mieux. Et là, on est vraiment en pleine nuit. Ce
qui change pas mal de choses. Alors du moins qu'on arrive sur une mer calme, ça peut le faire, mais en pleine tempête, ça devait être coton coton. Alors on peut faire un clic droit pour viser, en gros, pour faire un focus. Alors qu'on voit la map, ah oui, le pêcheur il est vraiment à l'autre bout. Ah, bon, putain, mais elle est immense la map, regardez. Regardez la taille du truc. Donc là je suis parti de l'hôpital, je vais chercher le pêcheur, c'est après une petite île. Combien de temps je vais mettre? 4 minutes? 5 minutes? Soit 10 minutes aller-retour en gros. Et ça, ça fait que cette partie là, un quart de la map découverte. Ensuite vous pouvez dézoomer et c'est juste fat. Ah ouais, ouais, c'est méga fat, effectivement. Oh, une petite caisse là. Hop, 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 du loot. Attends, ça par contre, je récupère, mec. Eh, mec. Ouais, mais il me file des missions en boucle aussi, c'est pas bon, ça. Attends. Moi, je veux looter ce truc-là. Qu'est-ce que c'est? Doucement. Le pêcheur attendra. Ouh. Tile rotor, j'ai récupéré un rotor de queue. Ah, ça, à mon avis, c'est pour construire un hélico. Parce que je rappelle que dans ce jeu-là, on commence avec un petit bateau, mais ensuite on peut vraiment construire ce qu'on veut. C'est-à-dire que je peux très bien faire un hélico pour aller chercher des gens et les sauver. T'imagines la classe? Tu décolles de ta base avec ton hélico. Un truc... sur lequel tu poses des espèces de grosses bouées pour pouvoir amerrir et tout. Ah, c'est la classe. Concept intéressant, novateur, je trouve, notamment. Alors qu'on voit là-bas la station pétrolière, si je ne m'abuse, sur laquelle on a... Ouais, ça doit être ça. Sur laquelle on a, rappelez-vous, secouru Johnny. Et là, on va aller chercher Bobby. Et nous passons donc à côté d'une petite île. L'île de la Muerta. L'île de la Muerte. Il y a un petit ponton là, il y a l'air d'avoir une maison. Sur l'île de la Muerte. La mer est très calme pour le moment. En tout cas, c'est un jeu très simple à jouer, hein. Je joue seulement avec 4 touches. Gauche droite avant circuler. Tanker tow. Il y a plein de missions qui se lancent en même temps. Ah. Escorter le tanker à son emplacement. Donc en gros, tu peux même être escorteur de paquebot. C'est-à-dire que tu arrives, tu t'accroches devant. Tu le traînes jusqu'à son port d'attache. D'ailleurs, ça porte un nom, ce truc-là. Je me souviens plus, IRL. Des mecs qui ont des petits bateaux comme ça pour escorter les... Garer, si vous voulez, les gros paquebots qui n'ont pas la capacité hein, de manœuvrer facilement en rentrant dans les ports. Allez, on va récupérer notre ami le pêcheur. Allez, mon petit Johnny. On a dit que c'est Bobby, lui. On a dit que c'était Bobby. Avec moi, Bobby. Allez, viens. À la maison. Je te ramène. Tu pourras dîner au chaud ce soir auprès de ta femme et tes enfants. Tu viens? Bien, wesh, mec. Allez, rebarré. Je t'amène à l'hôpital après de me coucher parce que ça me fait une grosse journée là. C'est parti. 3 km 7. Ouais, ça va quand même un certain temps. Hein. Les longueurs sont présentes. Hein. Quoi tu ressembles, toi? T'as un badge avec ton nom? Est-ce que tous les pêcheurs du monde se promènent avec un badge avec leur nom? Ça m'étonne, bon, pourquoi pas. Ah, les modes maintenant. Et du coup, vous voyez, j'ai découvert une petite partie de map. Ici. Que je ne connaissais pas encore. Allez, on va redresser la barre histoire d'être bien en face. Voilà. 3 km, 17 300 $. Map
Oui. Mission, message. D'accord. Donc, pareil. Hein. L'interface est volontairement minime. Pour qu'on se concentre vraiment sur le cœur du jeu, le sauvetage, les missions et la construction. 10 km 6. Alors j'imagine que plus tard, enfin peut-être plus, ça se fait peut-être être déjà, j'ai pas vérifié. Un peu désolé bien. On pourra pourquoi pas partager des modèles qu'on a créés via le Steamwork, c'est-à-dire créer des modèles et les partager en ligne sur le net. Chose qui se fait fréquemment, maintenant avec Steam notamment. Sur beaucoup de jeux, par exemple les Sims, vous pouvez créer des maisons puis les partager. Mais ça c'est pas, du coup c'est pas Steam, c'est Orange, Origin, pardon. Mais sur ça, c'est un surplus ce concept de pouvoir créer et partager ces trucs ensuite. Skyrim avec les mods, etc. Allez, 1 km 6. C'est pas tout près quand même. Hein. Ensuite, on va aller se coucher, puis on va tester le workbench. La création. Brrr. En tout cas, elle mérite d'être pratique, ce petit bateau. Alors je pense qu'on peut améliorer beaucoup de choses, notamment la puissance. Ce serait qu'on serait un peu le fion avec ce truc. Je pense qu'on peut rajouter des moteurs à aller plus vite. La manœuvrabilité sûrement. La contenance, hein. Parce que là je peux mettre une personne, voire deux. Une caisse ou deux. Mais je pense que je peux être, pardon, vite limité. Et par contre je comprends toujours pas pourquoi mon bonhomme est tout nu, hein. Ça fait quand même un peu vieux. Vieux dégueulasse tout nu qui vit sur son île et qui ramasse les pêcheurs, ça fait un peu bizarre. Le ponton. Il est de l'autre côté, non, c'est celui-là que je veux d'habitude, non. Moi j'ai au ponton. Si, c'est celui-là, sûr que je veux. Non. Non, il y en a un là. À gauche, mais ouais, il y a un ponton là. Mais ouais, hey, mec, ah bah il y a même un là. C'est sur celui-là que j'avais d'habitude. Alors. Pareil, il faut bien se garer devant. Se garer. S'arrimer, voilà, c'est le terme que je cherchais. Encore un peu à gauche. Hop, top. Top, Johnny. Non, tu recules là, tu recules. Pas bon ça. Avance. Top. Voilà. Allez, on va récupérer Johnny sur mon dos. Voilà, comme ceci. On va le ramener à l'hosto. Oh merde! Donc la partie la plus dure du jeu, c'est ça. Hop là! C'est bon ça. Oh, ce démarche, sérieux, c'est pas. C'est pas humain une démarche pareille. Je sais même pas si je peux parler avec les personnages là, on va essayer. Ah bah tiens. Un copain. Eh ouais les mecs, je vous ramène. Non, je peux pas parler avec les gens, ils ont. Ah si. J'avais un talk qui a apparu. Non. Ok, à la foutre. Ok, tout le monde s'en fout que je me prenne tout nu avec des gens sur le dos. Ils voient ça tous les jours. Oh là. Je sais même pas si on peut mourir dans le jeu. Allez, on a allumé le bouton. Direction à la maison. Merde, je suis plus sur le bateau. Je suis plus en train de piloter. Ok. Alors, direction à la maison. C'est tout droit à droite, pas loin de l'hosto. Très bien. C'est devant. On va se coucher et on va essayer l'outil création. Je pense que j'ai récupéré, voilà, 18 200. C'est pas mal. Ah c'est beau, c'est chouette, on voit notre tour radio qui clignote au loin. Ah c'est plutôt classe, j'aime bien le concept. Le concept du jeu est intéressant, je pense que ça demande quand même du temps.
Ah, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on a lancé la vidéo. Ça demande, je pense, du temps d'investissement pour upgrader ses items, son île, ses bateaux, etc. Et tant mieux, hein. Au risque peut-être de devenir redondant, hein, c'est toujours un peu le risque sur ce type de jeu un peu bac à sable. Voilà. Hop, c'est vrai qu'il fait très sombre la nuit. Je trouve même plus l'échelle. Elle était là. Merde. Je sais pas où je suis. Ok. Ça manque de lampe torche dans ce coin. Elle est là. C'est bon, je l'ai ? Je l'ai. La vache, c'est sombre de chez sombre. Hop. Je sais que j'ai un escalier pour monter. Je sais pas où il est. Il est là. Ah vache. La nature sauvage et rude dans laquelle la nuit tu ne vois rien. Allez au lit. C'est l'heure de se coucher, normal. Hop là. Un petit sleep. Un petit wake up. Vite fait, bien fait. Ah bah si, j'ai un manteau quand même, je peux le mec ou pas? Non, non, bah non. Non, on est mieux en slip. C'est vrai, je suis con. Bah, je peux ramasser plein de trucs qui servent à rien, mais par contre, je peux pas m'habiller. Les vêtements sont en option. Oh, même pas mal. Oula, oula, oula. Allez, on va tester le workbench quand même. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Shutter. Oh, ça pète. Lumière. Ah, bah oui, on peut mettre la lumière quand même. Backward, caisson. Forward. Ah, c'est pour faire avancer mon bateau comme ça. Donc je peux faire reculer. Ou pas? Bah je sais pas. Ah non, c'est le truc au-dessus, regardez. C'est un aimant. Oh, trop cool. Ah, c'est rigolo. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Une caisse de... je sais pas quoi. Ok, très bien. Alors, le workbench. Ça, c'est quoi? Ah, c'est juste pour le style. Ok. On va laisser là. On va tester ça. Oula, 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 oula. Est-ce que je peux recommencer à zéro un truc? Putain. Mais ça m'a l'air un peu... compliqué. New. Ok, on va tester un nouveau bateau. Pour ce faire, on a déjà un carré. Faut passer sur les logiques. Sauf que j'ai pas de logique. Merde, je sais pas ce que ça veut dire. À mon avis, c'est très très compliqué. Ok, ça ce sont mes blocs en tout genre. Où est-ce que je trouve mes logiques, trucs? Ok, propulsion et tout. On va se faire un siège. Oui. Un siège. Nous allons siéger ici. On va, à partir de ce siège, faire une base de bateau. On va essayer de partir sur un peu le même modèle de ce qu'on avait. Ça a l'air assez complet, voire même complexe, j'ai envie de vous dire. Voilà. Le début du bateau, là on va... mettre le tableau de bord, on va attendre un peu. Pareil, on va se mettre bien avec. Oula, oula, oula. Le tour. Voilà. Ok, donc ça sera ensuite la zone arrière. Dans laquelle. Non, c'est pas ça que je vais faire. Comment je délète? Comment je délète? Comment je délète? Erase. Voilà. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Elle me donne des astuces en même temps, ma création, c'est pas facile. Ah ouais, shift. Ah ouais, oh, balèze. On va faire un truc un peu plus gros. Alors. Là, je pense qu'on est bien parti. Alors, il nous faut un siège, ça c'est fait.
Lumière, ça on va en mettre. Lumière de recherche, on s'en fout. Il nous faut le cockpit. Là, Oh là, ça a l'air chiant. Oh là, putain. La barre de navigation, ça existe? Pilot seat. Ah oui, d'accord, ça c'est un siège de passager que j'ai mis. Ah, je suis con, moi. Ah oui, c'est nul. Bah non, c'est pas ça qu'il me faut. Moi, c'est un siège de pilote qu'il me faut. Hop, on va encore mettre un siège de pilote. Siège de pilote. Véhicule contrôle. Ok, pilot seat. Voilà. Oui. Chier. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Je vais le mettre un peu en hauteur. Bon, il est déjà un peu en hauteur. Ah, ça pète. Ok. Siège de pilote, très bien. Il me faut quoi? Du fin rudder, je sais pas ce que c'est. To the kill of a boat au contrôle. Ah oui, bah, ce sont les pavillons, les... Voilà, vous avez compris. Le rudder. Pour contrôler. Oh, des roues, on peut être des roues. Oh, ça pète. Ok, j'ai déjà mon truc de contrôle. Très bien. Il me faut ensuite un bouton push. Oh, un toggle bouton. Voilà, ça c'est le bouton qu'on va mettre pour lancer ou non le bateau, le boat. Enfin, on va être malin. On va se le mettre. Comme ça. Hop, juste au-dessus de moi. Non, ça veut pas. Je vais pas mettre mon push bouton. De cette manière. Culé. Et si je fais ça. Et que je mets mon push bouton. Le jeu qui va me tendre, ça. C'est le jeu qui va me tendre, les mecs. Quand tu veux pas mettre mon push bouton. Mon toggle bouton. Ok, d'accord. Je sais pas. C'est pas grave. On va se mettre notre moteur. Engine. Alors, le moteur, je sais qu'il était tout à l'heure bien devant. Donc, on va le laisser devant. Voilà. Connecteur. Il me le faut sur un on-off. Ah, ça, ce sont les axes. Output. On-off. Ah, ça va pas là. Merde. Connecter à ça. Il me faut vraiment un push-bouton. Ah, c'est vraiment un truc intellectuel. Hein. Je vais me trouver mon push-bouton pour notre chier. Toggle-bouton. Small connector. Mmh. Logic input. Ah, c'est ça qu'il me faut. Non. On va essayer ça. Est-ce que je peux mettre un presse bouton? Je sais pas pourquoi je peux pas le caser là à côté de moi. Le caser? Ah, je peux le caser là. C'est nul. C'est moche. C'est extrêmement laid. On va l'effacer. Ou pas? Comment j'efface ce putain de... C'est ça, c'est ça. Alors, attendez. Attendez. On va se le mettre. Je pense qu'il y a moyen de se le mettre. Oh, on va se le mettre à notre pied droit. Regardez, ça va être classe. Comme ça. Ça, c'est mon push-bouton. Et si je fais une logique, je peux relier mon push-bouton à mon moteur. Ça, c'est fait. On-off. Très bien. Ensuite, throttle. Il faudra le balancer sur des trucs. Ok. Oh là là là. La prise de tête, toi. J'aurais dû me lancer dans un truc pareil. On va continuer le bateau, du coup. On va lui faire un gros avant. Parce que j'aime bien les gros bateaux. Ça, on va mettre deux étages. Là, on fera un espèce de truc. Là aussi. Mon moteur qui dépasse un peu, parce que c'est trop la classe. D'avoir un gros moteur. Voilà.
Voilà, case à construction. Hop, voilà, on va affiner avec notamment des petites merdes comme ceci. Il fait tellement de beau ce bateau. On appellera le Casabout. Après, j'espère qu'il va flotter de manière idéale et adéquate. Ce qui me semble mal barré. Regardez. Alors, on dirait un bateau de course. On va lui mettre des espèces d'ailes. Je sais, des ailes sur un bateau. Normal. Faites pas les jaloux. J'entends vos critiques d'ici. Alors, 4 ensuite, on a dit 2, 3, 4, voilà. Ça va être magique. Hop, hop. Fiu, fiu. Oh, il est trop beau. Comme ceci, on va élargir un tout petit peu là. Parce que on va mettre des trucs stylisés. Ok, et on va finir la cabine. Donc la cabine, nous avons le push-bouton qui est là. Donc la cabine, on va l'augmenter un tout petit peu ici, regardez. Hop, hop, comme ça, ça sera notre cabine. Voilà. On a nos ailes. Alors si je peux mettre une petite pyramide là, ça fera une... Ouais, c'est moche là, non? Ouais, c'est moche, mais ça tient. En fait, il faudrait que je mette des pyramides un peu partout, ça sera moche, mais beau. Moche, mais beau. Voilà, c'est un concept. Ah, merde. En jeu d'intellectuel, voilà. Ok, on est pas mal. Et là, on va finir la cabine. Comme ça. Et on va mettre une petite échelle, bien évidemment, au bout. Pour que les gens puissent monter. Les gens. Surtout moi, quoi. Une échelle. Où est-ce que j'ai ça? Échelle. Une petite échelle. Oh, ça pète. Comme c'est chouette. Regardez. Alors. Oh putain, je suis ingénieur. Ah, ça tue. On va maintenant finir le bateau par le bas. Voilà, regardez. Alors. Oh putain. Oh, je m'étonne moi-même d'être aussi bon. Je pense par contre que là, il va pas flotter quand même. Il va y avoir une couille. C'est trop beau là pour le moment. Hop, regardez. Oh la vache. On est bien barré. Alors, juste sous, il va faire affiner ici. En faisant une espèce d'étage. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, hop. Hop, hop, hop. Et là, on va mettre des petites parois dans l'autre sens, s'il te plaît. J'ai dit l'autre sens. Non, pas comme ça. Non plus. Alors, IJKL. J'étais bien barré là. Voilà. Hop, hop. Comme ça. Oh putain. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Par contre, les caméras là, c'est un peu le bordel. Je pense que je pourrais la débloquer, la mettre en libre. Mais je fais mon feignant là. Oh, fuck la logique. Voilà. Allez. Petite pyramide sur les côtés. Qu'on fasse ça bien jusqu'au bout. C'est pareil, positionner une pyramide, c'est tellement merdier. Ça tourne dans tous les sens, sauf si tu veux. Alors là, moi, je trouve que ça a une gueule terrible. Là, je trouve qu'on pourrait même faire des espèces d'ailes un peu plus... Ouais, enfin, des ailes. Enfin, un bateau avec des ailes, c'est un peu con. Faut que j'arrête, hein, les idées d'ailes. On va terminer là. On va se mettre une petite... Ah merde, c'est vrai que j'ai un bouton, là. Oh, bordel. Chier, ce bouton. Finalement, il est mal positionné, ce bouton. Voilà. Oh, ça a de la gueule. Ça la gueule. Par contre, faut pas oublier qu'il nous faut quand même une hélice, voire deux. Est-ce que j'ai ça? Un propeller. Ça a l'air d'être ça. Propulsion boat. Eh ben, on va se mettre une propulsion boat.
Même deux, bien évidemment. Alors, est-ce que ça tient là ou j'écrase les gens du coup? Oh, oh, la classe. Oh la classe. J'en mets deux, direct. Insta. Non, non, qu'est-ce que tu branles? Ah! Là, je te dis. Ah non, j'arrive pas les amis. Voilà. On a mis nos propulsions. On va mettre les pavillons pour pouvoir naviguer, tourner. Alors ça, je sais pas du tout dans quel sens ça se met. Si je me mets bien sur l'autre bateau, c'était... Ah. C'était pas comme ça du tout. C'était au contraire... de manière droite. Et je risque d'être emmerdé là. On est d'accord que là, je risque d'être un peu dans... Ça le fait moyen là. J'ai raclé le sol. Mmh. Ah merde. Du coup, je doute. Ou alors, je les cale sur le côté. Comme ça, mais ça fait moche. Mais bon, ça fait moche, mais si ça marche, c'est le but. Bon, on tente. Et je risque pas de racler mes rotors. Ah, puis il y en a un qui est déphasé. Il y en a un qui est trop. Oh là là là. Ah là là, ingénieur bateau. Allez, on va remettre un. Non. Voilà. Allez, moi je dis ça se tente. Donc nous avons tout ça, on va connecter tout le merdier et on va voir si ça fonctionne. Alors, mes trucs, mes axes. Ça va sur mes axes. Oh, axe 1, axe 2. Oh merde, je sais pas moi, left, right. Ok. Bon, je tente, hein. Comme ça. Voilà. Ça, ça se connecte au moteur. Et le moteur, il se connecte à un truc dont j'ai oublié le nom. Que je vais retrouver, qui ressemble à un gros bout de merde. Et bah, je sais pas. C'était un gros carré, un gros cube. Propulsion. Mais je sais pas. Attends, je vais mettre une petite lumière. C'est mon bateau. Alors, est-ce qu'il tourne là, le bateau? Est-ce qu'il fonctionne à votre avis? Non. Oh, câble. Je sais rien, on va essayer, on va sauvegarder. Merde, non, non, non. Save. On va l'appeler bateau 2. Et on va l'essayer. On va le faire spawn. Alors, est-ce que mon bateau 2 fonctionne? Ah, il coule. Merde. Ah, déception. Pourquoi c'est ce qui coule comme ça? Il est trop lourd. C'est quoi cette daube? Ce bateau pourri là. Tiens pas le choc. Ah. Ok. Ok, c'est de la merde. J'ai fait un bateau de merde. Alors, déjà j'arrive pas à allumer parce que il faut que je mette un toggle et pas un push bouton. Et ensuite il coule. Parce qu'il doit être trop lourd. Il a pas avoir assez de flottaison. Ah, bordel de chier. Ah, déception, case. Case la déception. Alors, on va effacer le push-bouton que nous allons remplacer par un toggle-bouton. Voilà, que nous allons relier. Avec ça. Toggle-bouton. Il est où? Toggle. Sur le moteur. Toggle. Oh. Ouais, sur les lumières aussi. Voilà. Et ça, c'est quoi ce truc? Move. Ok. Peinture, logique. Merge. Ah. Ah, ok. Donc on peut voir si ça coule ou pas. Donc, pour que ça tienne, il faudrait que je rajoute là où il m'indique de rajouter. C'est ça l'idée?
Dingue. Donc il coule mon bordel. En gros, ok. Alors, là j'ai changé. Est-ce que je peux... Est-ce qu'au moins le moteur se lance? Voilà, Wagba. Oh, il me fait pitié mon bateau. Le truc qui prend l'eau complet. Alors, le moteur. Ça a pas l'air. Hein. Il manque un truc. Oh merde. Allez, c'est pas grave, on va regarder sur le workbench. Alors c'est ça qui est un peu difficile avec ce jeu, par exemple, c'est que vous avez pas vraiment, enfin le tuto vous explique pas comment fonctionne le... C'est compliqué quoi. Propeller au power, ça c'est relié. Et le power doit être relié à quelque chose dont j'ignore le nom. Et le throttle. Bon, je relis tout. Je sais pas ce que je fais, mais je relis tout. Mais il me semblait qu'il y avait un item sur l'autre bateau. Un gros machin. J'ignore le nom. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'à mon avis, tu peux mettre plein de moteurs en série. Et avoir un gros truc qui... Ouais, bah après, faut être ingénieur, effectivement. Bon, bah voilà. Hein. On va abandonner là. On va quand même faire pop l'autre bateau, juste pour voir quelle gueule il fait. Au niveau des logiques, notamment. Vous voyez, nous avons le moteur qui est relié à... Ah bah non, le throttle. Ok. Qui est relié... Ça, c'est relié au moteur. Ouais, bon, faut être intellectuel. Mais bon, le jeu a du gros potentiel, je trouve. Rien qu'au niveau des créations. À mon avis, les créations peuvent être vraiment super fat. Et je vous laisse donc, les amis, sur cette image de mon bateau. Celui-là, il flotte au moins. Il fait beaucoup moins pisser que ce que j'ai essayé de faire. Et je vous embrasse. C'était donc Stormwork. Et je pense qu'il y a grave du potentiel. Il faudra faire plus de vidéos, plus de découvertes pour s'amuser. Mais il y a vraiment de quoi faire. A très bientôt, c'était Kaz. Pour ça de vous, bye tout le monde.